est un bien précieux, indispensable à toute vie, un élément inestimable qui embellit nos paysages. Elle tisse un lien vital à travers toute l'Europe. Les rivières, écosystèmes très sensibles, doivent continuer à couler pour que tous, humains, animaux et plantes, vivent. Malheureusement, nos rivières ne circulent plus en toute liberté. Les cours d'eau européens sont maintenant ponctués de barrages, écluses et centrales hydroélectriques. Au début du siècle dernier, depuis que l'homme a commencé à utiliser l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité, de plus en plus de centrales ont été implantées dans ces écosystèmes très fragiles. Selon une opinion largement répandue, la production d'énergie renouvelable hydroélectrique serait verte et écologique. Mais dans quelle mesure l'est-elle vraiment ? Dimanche, en septembre dernier, je me suis rendu au bord de la rivière Lech avec mes enfants et mes beaux-parents. Nous voulions juste nous asseoir là et nous détendre un moment. En l'espace de 2 heures, le niveau de la rivière chuta de façon drastique et seul un minuscule filet d'eau subsista. Quand mes enfants et moi nous sommes penchés sur les zones asséchées, nous y avons trouvé une grande quantité de poissons morts ou mourants partout dans les flaques. Nous les avons alors récupérés à main nue et les avons remis dans le courant, ou plutôt dans ce qui restait du lot de la rivière. C'était un spectacle horriblement triste. Un si grand nombre de poissons asphyxiés, alors qu'au même moment, le chenal détourné vers la ville voisine regorgeait d'eau. Mon beau-père et moi longeâmes le Lech jusqu'au barrage de Gernstufen. En passant devant une flaque d'eau gigantesque qui bouillonnait, mon beau-père dit « Regardez, il y a du gaz qui remonte. » D'un peu plus près, nous avons vu que ce n'était pas du gaz, mais un banc de poissons mourants. Mon beau-père déclara « La nature est bien cruelle. » J'ai alors répliqué « Ce n'est pas la nature, mais les humains qui sont cruels. » L'eau est détournée dans le chenal uniquement pour les besoins des centrales hydroélectriques. Ce qui se passe ici est un vrai scandale. Si on détourne l'eau, c'est parce que chaque mètre cube vaut son pesant d'or. Et pour les riverains, il ne subsiste du Lech qu'un mince filet d'eau, rien de plus. Nous fûmes atterrés de voir ce qui se passait avec l'eau que nécessite une centrale hydroélectrique. Quand un gamin attrape un barbeau et le ramène chez lui, il se trouve toujours quelqu'un pour lui dire que ce poisson est une espèce protégée. Mais si une centrale hydroélectrique retient toute l'eau, ce qui entraîne la mort quotidienne de dizaines voire de centaines d'individus de cette même espèce protégée, alors ce serait normal. En fin de compte, n'est-ce pas une injustice flagrante pour les animaux aquatiques de nos rivières ? J'ai signalé cet incident à la police fluviale et les exploitants des centrales hydroélectriques sont maintenant invités à répondre. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire ou s'ils disent seulement quelque chose. Apparemment, l'intention louable de produire une énergie propre a aussi des côtés négatifs. Il n'est pas si simple d'agir de façon responsable envers l'environnement et la nature. Les gens veulent sortir du nucléaire. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il n'est pas possible de passer partout à l'hydroélectrique. Nous ne sommes pas encore en mesure de produire une hydroélectricité acceptable sur le plan environnemental. C'est une catastrophe et on fait toujours des compromis. Quand je vois combien les centrales hydroélectriques produisent d'électricité dans toute l'Europe, et ce qui en résulte ici, en particulier dans les rivières allemandes, le terme énergie verte pour cette production minime est une dénomination complètement erronée. Il faudrait mieux laisser tomber. Quand
quand il s'agit des rivières européennes, beaucoup d'argent est en jeu. Aussi, les immenses dégâts environnementaux importent peu. Quand le flux d'eau commence à couler, le flux monétaire circule également sur les marchés boursiers européens. En dehors du profit généré, un point est essentiel. Les énergies renouvelables, par définition, doivent être durables, comme leur nom l'indique. Ce qui signifie qu'elles ne doivent avoir absolument aucun impact sur la nature. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous ne voulons plus que les centrales hydroélectriques continuent à se développer. Nous voulons que les installations existantes sur les rivières, c'est-à-dire la technologie actuellement employée, soient remodelées afin de devenir écologiquement acceptables. Il faut qu'à nouveau beaucoup plus d'eau se remette à couler dans la rivière. Les poissons d'eau douce doivent pouvoir proliférer à nouveau, les riverains apprécier leurs berges. Enfin, la rivière entière doit revivre. L'utilisation de l'énergie hydroélectrique a imprimé sa marque sur la rivière Lèche, qui s'est transformée en une chaîne de barrages. Dans de nombreux sites, rien ne subsiste de l'environnement naturel du passé. Pouvez-vous imaginer comment c'était avant? Le lit du Lèche avait presque 4 km de large. Cela signifie qu'il y avait d'innombrables canaux et bras de rivière. Et entre ces canaux et ces bras, il y avait des plages de gravier et de sable. Nous ne pourrons plus jamais recréer ces paysages. En Europe, le Lèche est un exemple inquiétant de ce qui se passe quand une rivière est radicalement et systématiquement exploitée afin de générer le plus possible d'électricité. Ils utilisent une méthode appelée hydropicking. Lorsque la demande en électricité est faible, par exemple, du vendredi après-midi au dimanche, l'eau du Lèche est stockée dans le lac Forgensee. Puis le lundi, le mardi, ou quand la demande énergétique augmente, l'écluse est ouverte via la télécommande de la ville de Landsberg. Et la réserve d'eau se déverse dans les turbines. L'énergie obtenue est vendue sur les bourses européennes de l'énergie. Comme vous le voyez, on peut produire, dans les rivières, de l'énergie et la revendre à prix élevé. Aujourd'hui, les fournisseurs allemands d'énergie, comme E.ON, qui couvre la zone allant du sud au nord d'Ansbourg, LEV et BEV, compagnies électriques bavaroises, s'entendent entre eux et pratiquent des pics de production d'énergie dans le Lèche pour fournir la bourse de Leipzig. Cela signifie tout simplement que la rivière n'est plus dépendante des précipitations. En réalité, c'est la bourse d'échange de Leipzig qui contrôle rigoureusement son niveau. Nous sommes ici à Gersthofen, au nord d'Augsbourg, où toute l'eau de la rivière est détournée dans le chenal qui alimente la centrale, ce qui assèche la rivière comme vous le constatez. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à 20 mètres du lit principal de la rivière. Il est ici totalement à sec. Le seul petit écoulement d'eau provient de l'échelle à poissons à gauche du barrage. Vous pouvez constater qu'il ne s'écoule absolument rien du barrage, même pas un seul mètre cube d'eau. Quand je suis arrivé ici, il y a plus de 30 ans, j'étais fasciné par cet environnement, par les prairies alluviales du Lèche. Je viens de Franconie, en Allemagne, au centre et au nord de la Bavière. Et ce pays, encore arrosé aujourd'hui de cours d'eau alpins et de moyennes montagnes, me captivait tout simplement. J'ai très souvent parcouru la rivière en amont et en aval, même jusqu'à la source. Et je dois dire que cette rivière sauvage, telle qu'elle était alors, m'a immédiatement conquis. Aujourd'hui, le Lèche est le cours d'eau le plus obstrué de toute la basse région alpine. Et je dois dire, le Lèche, comme toutes les autres rivières alpines, a payé son tribut avec ses barrages et ses écluses en série, à la suite les uns des autres.
Malheureusement, tous sont dans un profond état de délabrement écologique. Aujourd'hui, sur le Lech, entre Fussen et Osborg, on dénombre un total de 20 barrages. Un seul de ces barrages présente une passe à poissons fonctionnant à peu près correctement. Imaginez le tableau et les dégâts. Les vieux barrages sont obsolètes et doivent absolument être améliorés techniquement, écologiquement ou être détruits. Les poissons migrent en amont comme en aval. Ce comportement naturel est souvent synonyme de mort pour eux. Le public ne peut rien voir de ce qui se passe, car tout se déroule sous l'eau. Cette mauvaise gestion n'est malheureusement que très occasionnellement visible de tous. On estime souvent qu'il faut plusieurs voies d'eau pour protéger les poissons, de façon à leur assurer la possibilité de contourner les centrales. Mais actuellement, par un effet très pervers, il s'avère que les poissons sont entraînés directement vers les turbines et donc, pour ainsi dire, vers une mort certaine par broyage. Il est donc frustrant de s'apercevoir que des règlements établis avec les meilleures intentions, une fois appliqués, ont des effets néfastes. Mon message est donc le suivant. Inspirons-nous d'exemples positifs. Les promesses des exploitants de centrales électriques pour protéger le poisson sonnent justes, mais souvent en pratique ne marchent pas. Des grilles sont posées pour empêcher les poissons et les débris flottants de se retrouver dans les turbines. Ces grilles sont une soi-disant mesure écologique. Toutefois, parmi les débris se retrouvent encore des victimes qui n'ont pas réussi à prendre la passe à poissons. Et jour après jour, à l'insu du public, ces victimes de la production d'énergie disparaissent dans des conteneurs. Ceci peut même conduire à une disparition complètement invisible de certaines espèces aquatiques. Comme cela se passe sous la surface de l'eau, on ne le voit pas. Les poissons ne crient pas dans le paysage. C'est juste comme s'ils n'étaient pas présents. Un simple profane ne peut pas discerner si un milieu aquatique est vivant ou pas. En fait, et c'est bien là le problème, un changement s'opère dans l'eau. Et le public n'en a pas du tout connaissance et n'en prend pas conscience. Outre la désertification des bras de rivière détournés, un autre problème se présente, l'augmentation du stress thermique. Nous sommes de plus en plus inquiets à ce sujet. Nous avons constaté que nos rivières se réchauffent. Et l'élévation de la température d'1 à 2 degrés a déjà entraîné la disparition des ombres dans certaines rivières. Bien sûr, les grands réservoirs contribuent aussi au réchauffement, ce qui signifie une augmentation de l'apport thermique aux rivières. À cause des retenues d'eau, il n'y a plus de transport par voie d'eau naturelle. Les espèces qui fraient dans le gravier en sont affectées. Nous avons également détecté une augmentation du pH au cours de ces dernières années, ainsi qu'une prolifération d'algues. Des algues qui se développent, puis meurent à un moment donné. Il en résulte un appauvrissement de la couche d'oxygène de l'eau. La photosynthèse des algues entraîne des changements de valeur du pH, ce qui signifie un pic du pH, en particulier pendant la journée. Ces problèmes spécifiques nous inquiètent de plus en plus et doivent être pris en compte dans une étude exhaustive. Autre effet secondaire négatif inconnu du public, la contribution des centrales hydroélectriques au développement de gaz à effet de serre, tels que le méthane.
En observant un trou d'eau, on peut voir des bulles de gaz remonter. Un courant au fond de ce trou cause une accumulation de détritus végétaux ou autres en décomposition. Du fait de cette décomposition, l'oxygène environnant s'épuise rapidement et du méthane se développe. Ce méthane est très nuisible à la protection climatique. Il est 25 fois plus nocif que le CO2. Lorsque les partisans de l'énergie hydroélectrique font valoir que l'énergie produite par la force hydraulique est écologique car elle réduit les émissions de dioxyde de carbone, ils oublient de mentionner cet effet secondaire. Dans la plupart des cas, quand nous construisons de nouvelles centrales hydroélectriques, petites ou grandes, en réalité, nous causons de graves problèmes à la biodiversité, à la pêche et à la qualité de l'eau. J'espère que nous allons arrêter ces inepties. L'Union européenne recommande le développement et l'utilisation d'énergies renouvelables, mais un nombre croissant de ses membres prend conscience des effets négatifs de l'hydroélectricité et fait entendre de plus en plus de critiques à son égard. L'hydroélectricité ne peut pas résoudre nos problèmes énergétiques, à plus forte raison les petites et les micro-centrales. La directive cadre européenne sur l'eau exige d'ici à 2015 un bon état écologique de toutes les ressources en eau. Dans ce contexte, la capacité d'écoulement des eaux courantes est une priorité absolue. Le nombre croissant et l'utilisation continue des centrales hydroélectriques sont de moins en moins compatibles avec les objectifs écologiques. L'hydroélectricité démontre clairement l'ambiguïté entre une forme de production d'énergie renouvelable et la protection de l'environnement. Si je suis bien informé, il y a à peu près 7300 petites centrales hydroélectriques en Allemagne seulement, et environ 400 grandes. Ces chiffres sont comparables à de nombreux pays européens. Environ 90% du rendement énergétique est généré par de grandes centrales hydroélectriques, et non par les petites qui représentent 24300 barrages en Europe. Cela signifie que les petites centrales, celles qui produisent environ 20 à 100, peut-être 150 kW, comparées aux grandes, sont négligeables. Elles produisent une portion infime de l'énergie totale. Par rapport à la production énergétique totale en Europe, la part des micro-centrales hydroélectriques représente seulement 0,3%. Si on mesure la production des micro-centrales, il faut aussi évaluer les dégâts qu'elles causent. En définitive, les dégâts causés sont plus élevés que les avantages fournis, et cette situation inquiète l'Office fédéral de l'environnement depuis de nombreuses années. Si, sur l'ensemble du bouquet énergétique, la part d'énergie produite par les petites centrales était multipliée par 2 et passée de 0,3% à 0,6%, les rivières restantes seraient détruites sans que nous n'ayons contribué de façon majeure à la protection climatique. If we doubled our portion of small hydropower production in the whole energy mix from 0.3 to 0.6, our remaining rivers would be destroyed and we would still have made no essential contribution to climate protection. La production d'énergie à partir d'hydroélectricité est encouragée par de nombreux États européens. Dans certains États, les exploitants bénéficient d'une garantie des prix et de subventions d'argent public. Cela leur fournit un revenu stable et donne l'impression que l'hydroélectricité est écologiquement souhaitable et environnementalement correcte. Des subventions sont attribuées pour la construction de petites centrales, ce qui n'est vraiment pas une idée judicieuse. Je ne souhaite pas la construction de nouvelles centrales hydroélectriques en Europe. Leur potentiel n'est pas si élevé, et nous ne devrions pas les implanter dans chacune de nos petites rivières. Je pense qu'il serait beaucoup plus respectueux et préférable pour l'environnement de produire de l'énergie éolienne ou encore mieux, de l'énergie solaire thermique, et même dans l'avenir des cellules photovoltaïques. C'est vraisemblablement beaucoup plus éco-efficace. Et surtout, ne construisons plus de petites centrales car en comparant leur production en kilowattheure, plusieurs petites s'avèrent en fait beaucoup plus destructrices de l'environnement qu'une seule grande. Le prix de consommation, ajouté aux subventions versées pour ce genre de production d'énergie, est très élevé. Mais le coût environnemental l'est beaucoup plus. Nous faisons subir énormément de dégâts à notre écosystème aquatique, la biodiversité et risquons la disparition de plusieurs espèces.
C'est par le journal ou par des livres qu'un jour, nos enfants et sans doute mes petits-enfants apprendront qu'un poisson ressemblant à un serpent, appelé anguille, a été chassé de nos rivières par nos stations hydroélectriques. Un jour d'ailleurs, il aura complètement disparu. Certaines anguilles survivent et se reproduisent grâce à une stratégie pour le moins insolite. Cela peut paraître bizarre, mais les anguilles d'aujourd'hui voyagent en voiture. C'est un moyen beaucoup plus sûr que la rivière. Du Main au Rhin, le trajet est d'environ 150 km. Ces poissons ne survivraient pas sans aide humaine. L'explication de cette histoire est que nous interceptons les anguilles avant les turbines, les sortant de l'eau et les transportant de l'autre côté de façon à ce qu'elles ne soient pas blessées et puissent rejoindre la mer en bonne santé. Il y a 37 centrales et 37 turbines sur le Main. Pas une seule anguille ne pourrait atteindre le Rhin vivante. C'est un fait acquis. Tous ceux qui connaissent les anguilles le savent bien. Tous les pêcheurs du Main sont acculés à la faillite. Si ce sauvetage n'avait pas lieu, nous pourrions tous renoncer à la pêche. Dans le cas présent, il s'agit d'une lésion typique due à une turbine. Vous voyez ça? Des écorchures sur la peau et la colonne vertébrale brisée? Elle ne survivra pas au voyage. La mâchoire inférieure est brisée, coupée en deux. Ces taches brillantes sur la peau laissent supposer qu'elle a déjà subi de multiples blessures. La turbine les a causées. Elle a des fractures vertébrales internes, du sang dans les nageoires. Ce sont des lésions mécaniques. Le bout de l'arête centrale est à vif. La chair est complètement déchiquetée. Cette opération est financée par l'EON, l'exploitant de la centrale hydroélectrique. Peut-être pour soulager sa mauvaise conscience ou par souci de greenwashing, je ne sais pas. L'alternative serait pour l'opérateur d'ouvrir les vannes de l'écluse pendant la migration des anguilles argentées. Les anguilles ne passeraient alors pas par la turbine. Elles suivent toujours le courant le plus fort. Alors leur voie vers la mer des sargasses serait libre. Une chose est claire, parmi les milliers de centrales hydroélectriques d'Europe, un tel transfert est l'exception. Mais ce n'est en aucun cas une solution définitive à ce problème. Je crois que la solution est d'obliger les exploitants de centrales à contribuer davantage et mieux à la protection du poisson et à la réparation de l'écosystème. C'est seulement ainsi que l'énergie hydroélectrique respectera l'environnement. Depuis mars 2010, la nouvelle loi sur les ressources en eau est entrée en vigueur. Cela exige explicitement des améliorations dans l'écoulement minimal des chenaux. Bien sûr, c'est un conflit de plus à résoudre avec les exploitants, car chaque goutte ne passant pas par la turbine, mais à travers le chenal principal du fleuve, est perdue pour la production électrique. Mais les dégâts ne se limitent pas aux poissons blessés lors de la migration. Ils peuvent s'étendre sur des kilomètres de rivière. Par exemple, les zones des barbeaux, des ombles et la zone inférieure détruite peuvent être aussi affectées. Ces zones sont des habitats naturels très sensibles, non seulement pour les espèces de poissons menacées, mais aussi, par exemple, pour les variétés de grandes moules en voie de disparition. Dans un même réseau fluvial se trouvent des moules communes de rivière et des moules perlières d'eau douce. Quand on voit les dégâts que la génération des petites centrales risque de faire subir sur de tels tronçons de rivière, on peut vraiment avoir des craintes et être anxieux quant à la protection des espèces en voie de disparition. Tel pourrait être le fatal destin de l'anguille européenne. Sa vie commence dans la mer des Sargasses, au large de la Floride. De là, sous forme de petites larves, elle se déplace jusqu'aux eaux continentales européennes, où elle demeure de 12 à 15 ans. Puis, elle retourne à la mer des Sargasses pour frayer.
Entre parenthèses, cela ne se passe qu'une fois dans sa vie. D'autres espèces migratrices, telles que le saumon, se reproduisent en eau douce, puis migrent vers l'eau salée de la mer pour finalement revenir à l'endroit exact où elles sont nées pour se reproduire. C'est leur unique mode de ponte. La survie de ces espèces migratrices dépend entièrement de leur libre accès depuis et vers les rivières et leurs zones de frais. Au Danemark, toutes les microcentrales hydroélectriques ont été définitivement mises à l'arrêt à cause des importants dégâts qu'elles causent. Quand on réfléchit à tous ces agriculteurs qui, sur leur propre petite rivière, produisent seulement 5 ou 10 mégawatts, en comparant aux 20% d'énergie renouvelable que nous devons atteindre d'ici 2020, c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors vraiment, nous devrions reconsidérer tout cela et réaliser que ce n'est pas la bonne manière d'y parvenir. Une chose est certaine, l'approvisionnement mondial en énergie est confronté à de grands défis. Partout, on est à la recherche de sources d'énergie propres et sûres. L'énergie hydraulique est souvent louée pour être une solution miracle et sans inconvénients. Par contre, les problèmes qu'elle cause sont passés sous silence par les prestataires et les fournisseurs. L'énergie hydroélectrique devrait être soumise à plus de contrôle. Ceux qui veulent continuer à l'utiliser doivent peser très soigneusement avantages et inconvénients, et pas uniquement pour eux-mêmes. Après tout, les rivières d'Europe n'appartiennent-elles pas à tous et, espérons-le, pour de nombreuses générations à venir? Avec tout l'argent que l'EON, LEV, EDF et les autres amassent jour après jour, grâce à des centrales électriques européennes déjà amorties depuis longtemps, ne serait-il pas un jeu d'enfant que de faire quelque chose pour le poisson, de contribuer à ce que nos enfants eux aussi puissent connaître l'odeur d'une vraie rivière et sa diversité, le fourmillement de vie qu'elle contient et enfin sa beauté ?